humanizing data. I think this is a fantastic time where we live in. We have a lot of data available, data on our people in the working place, and we can use this data to make sure that they perform to their best. What we always like, and we as Incubix always like to say, is that we use data to empower people to realize their potential. This is really crucial. Not only use the data for you as an employer. Yes, it's important that you find a good match, that you find the right people, but in the end, it will only work if there's something in it for individual people. Humanizing data, people matter. How you do that? I think it's really crucial to be transparent. 100% transparency. So explain to people why you use the data and show also what you do with it. Make sure that it's relevant for them. Je peux partager 4 conseils avec vous pour la mise en œuvre d'une démarche People Analytics. Le premier, c'est d'identifier les questions auxquelles vous souhaitez répondre. Des questions autour de l'attractivité, de la sélection ou du développement de vos collaborateurs. Par exemple, qui sont les collaborateurs qui quittent votre entreprise? Quand le font-ils? Pourquoi? Quel profil ont-ils? Le deuxième conseil, c'est d'impliquer le top management. Il est important d'expliquer au top management comment ces nouvelles données et l'analyse que vous pouvez en tirer vont les aider à prendre des décisions plus éclairées, plus justes et reliées avec leurs enjeux business. Le troisième conseil, c'est vraiment de vous préparer. Les démarches People Analytics sont nouvelles, la data fait encore peur et donc préparez-vous à des résistances de la part des différents interlocuteurs et notamment commencez à penser à une communication qui va accompagner le projet tout au long de sa vie. Et puis le dernier conseil, c'est vraiment de structurer votre approche autour de 4 grandes étapes. La première étant cette identification des enjeux clés auxquels vous souhaitez répondre. La deuxième, c'est la collecte des données. La troisième, c'est tout ce qui est l'analyse des données que vous pouvez faire en interne ou avec un partenaire externe. Et puis le dernière étape qui est cruciale, c'est la mise en œuvre des changements qui seront identifiés suite à l'analyse de ces données.